Deux gars du coin qui évoluent aujourd'hui en Ligue 2. C'est un petit peu la formation toulonnaise qui s'exporte. Aujourd'hui, c'est David Gomis du Clermont Foot 63 et son pote Morgan Guilavogui du Paris FC qui nous accompagne dans cette nouvelle édition spéciale sur Ascas TV. Pensez à vous abonner. Les gars, c'est à vous. Messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On enregistre cette émission, on est jeudi. Elle est diffusée dimanche. Alors, la première question, David, tu m'en veux pas. On donne la priorité aux petits jeunes, qui même s'il va prendre une année de plus dans quelques jours. Morgan, dis-nous, comment vas-tu après cette opération ? Ça va. Ben, l'opération s'est plutôt bien passée. Bon, j'ai eu de la chance de ne pas avoir de douleurs post-opératoires. Là, je commence petit à petit les soins et ça se passe bien pour moi, merci. Alors, c'était quoi comme blessure ? Je n'ai pas bien suivi, du coup. J'ai eu une pubalgie à l'adducteur. Du coup, ils ont été obligés de me couper le tendon et le muscle adducteur pour me le réinsérer plus bas. D'accord. Ah, et ouais. Toi, David, c'est la main que tu t'es cassée, c'est ça ? Cinquième métacarpe. D'accord. D'où un temps de jeu un peu moindre cette année, hein ? Enfin, j'étais blessé déjà au mois de novembre. Ouais, fin octobre, début novembre. J'ai repris et début janvier, ben, je me suis cassé le cinquième métacarpe. Après, vu que ça tourne bien, donc voilà. Mais pourtant, on joue avec les pieds au foot, non ? Je ne comprends pas. Mais là, moi, j'étais obligé d'opérer de la main. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté un mois presque. Un mois. Et ensuite, j'ai repris là, il y a 2 semaines et demie, j'ai repris. 2 semaines et demie. Très bien. Qu'est-ce qui a changé, messieurs, pour vous depuis votre départ du Sporting, Morgan ? Moi, déjà la ville. Déjà la ville, ça a beaucoup changé. J'ai quitté un peu le cocon familial, mais c'est pas plus mal d'un côté parce que j'ai mûri, c'est bien, je découvre de nouvelles choses, de nouvelles infrastructures, un nouvel environnement, c'est pas mal, ça change, mais c'est bien, c'est professionnel. D'accord. Et toi, David, tu as commencé par la Corse quand tu as quitté Toulon, et puis maintenant, tu vas un peu plus vers le froid. Qu'est-ce qui change maintenant depuis que tu es à Clermont et que tu connais le monde professionnel ? Ben, pas grand chose, hein, on va dire pas grand chose, hein. Juste comme l'a dit Guilla, la famille, on a quitté le cocon comme il a dit. Là maintenant, bon, moi maintenant je suis avec madame, tout ça. Et après maintenant, on pense qu'au football. Hein. Avant on était là, il y avait les copains, il y avait des amis. Maintenant c'est football, maison et puis voilà, rien d'autre. Exactement. En gros, ce que tu nous dis, David, c'est que. Finalement, il n'y a pas grande différence entre le monde professionnel que vous côtoyez tous les deux aujourd'hui et le foot amateur tel que vous l'avez connu au Sporting, c'est ça ? Si, quand même, il y a un peu de différence. Ici, on travaille beaucoup plus déjà. Ouais. Toute la matinée au stade, ou quand c'est l'entraînement, tu es toute l'après-midi au stade. Alors qu'en amateur, tu venais 1h30, tu t'entraînais et... On rentre à la maison. Là, c'est pas pareil. Il est à 8h du matin et jusqu'à des fois 13h, on rentre à la maison. D'accord. Il y a plus de vie, en communauté, on va dire, en tout cas dans le cadre de l'équipe, c'est ça ? Je n'ai pas compris la question. Je disais, il y a plus de temps de vie au sein de l'effectif, enfin au sein du club. Ah oui, il y a plus de vie, bien sûr. D'accord. Le matin, tu. Bon, après, cette année, ça a changé à cause du Covid, parce qu'on arrivait le matin en temps normal, c'est petit déjeuner, musculation, renforcement, entraînement, et après, à la fin de l'entraînement, tu passes chez le kiné, tu fais ton renfort. D'accord, et justement, Morgane, par rapport à tout ce bordel que génère la Covid, enfin depuis un an et encore plus cette saison, où beaucoup de choses sont chamboulées, comment on le gère quand on est dans un club professionnel comme le Paris FC ?
Non, ça va, on a la chance d'être bien encadré, donc les mesures barrières, elles sont déjà mises en place. Nous, on a la chance de, ils nous ont laissé le petit déjeuner. On est testé très souvent. On a des gels mis à disposition. Donc, au niveau du virus, ça va. Sincèrement, on n'est pas à plaindre. Enfin, nous, au Paris FC, en tout cas, on a aucun souci par rapport à ça. Avant de reparler un peu plus actualité, je voulais faire un petit bond en arrière et je vous posais donc la question à vous deux. C'est quoi la peut-être la meilleure période pour vous et au Sporting, que ce soit un jeune ou un peu plus tard et les deux trois personnes que vous gardez de meilleurs souvenirs. Je vais commencer par Morgan. Parce que, alors, avant de le laisser continuer, par exemple, hein, nous, avec Nico, on les avait un peu suivis, avec la montée de DH, avec Sif, tout ça, mais je veux pas dire ce que tu vas répondre, mais ouais, ouais. c'était une belle aventure, et puis bon, ouais. Je te laisse répondre. Ouais, ben, en premier, je dirais la montée, l'année en 19 nationaux avec. La montée en 19 nationaux avec Youssef Sif et la génération 98-99, où vraiment on a fait une très belle saison. Et après, je dirais l'année de la montée. Hein. Mm-hmm. L'année de la montée, forcément, c'était vraiment une belle année pour nous, tout qui nous a réussi. Hein. Et y a une ou deux personnes comme ça qui pour toi compte un peu plus ou qui tu penses souvent ou je sais pas que ce soit un joueur, un éducateur, n'importe qui, je sais pas. Non, pas spécialement. Déjà Youssef Sif, le coach Fabien Pujol aussi, et je dirais le président qui m'a fait confiance. D'accord. Du côté de David. On se rappelle un peu, David, c'était un peu la génération avec Jean-Claude et tout, non ? Si je dis pas de bêtises. Non, pas un jeune, en réserve, non ? Il était en réserve ? Non, il n'était pas en réserve. Non ? Non, je comprends avec Alex Mendy, alors. Laisse tomber. À ce moment-là, c'était Fréjus. C'était mon frère. Ah, voilà. D'accord. Mais alors, donc, du coup ? Moi, ma dernière année en 18 ans, parce que je commence déjà à m'entraîner avec la première, le groupe. Avec Zingaro et Boumila. Et en 18, j'avais fini deuxième meilleur buteur, je crois. Et ensuite... À quel niveau, ça, c'était ? On était en DHR. D'accord. DHR. Et ensuite, la montée avec Sadani. Ma dernière saison à Toulon, avec mon frère jumeau, on était chacun sur un côté ou tous les deux devant. Je me suis fait le plus plaisir aussi. Justement, tu évoques ton frère. Moi, en qualité de supporter, j'ai l'impression que dès lors que tu as joué avec ton frère, Tu as vraiment explosé. Pour moi, ça a été... je t'ai trouvé vraiment meilleur, plus en confiance, une fois que ton frère est arrivé au sein de l'effectif. Tu le ressens, tu l'expliques ou c'est juste une illusion? Ça fait depuis qu'on a l'âge de 4 ans qu'on joue ensemble. Du coup, le fait de rejouer avec mon frère à ce niveau-là en plus, c'était magnifique, hein. Et une fierté pour tous les deux. Et franchement, une connexion que je ne peux pas expliquer. Hein. Se trouver les yeux fermés. Et franchement, c'est l'année où je me suis le plus régalé en amateur. Ah ouais. Et alors, parce que j'ai un petit regret, hein, je rebondis sur David. C'était filmé à l'époque, mais il y avait eu. On avait loupé en partie ton but contre Arles. Bon, pour moi, le but contre Arles, c'est tu nous as fait une Maradona là quand même. Hein. Tu dribbles 6 ou 7 joueurs. Hein. Tu peux nous raconter ce but quand même vite fait. Tu pars du milieu. C'était un truc de malade quand même. Hein. C'était un truc de malade.
En fait, en plus, c'était, on était un peu en froid avec les supporters. Il y avait une bonne rôle. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Il fallait absolument gagner ce match. Quand il est sur le terrain, je fais une action et c'est Wasfan qui me donne le ballon. Il me donne le ballon et je décide de partir tout seul. Où il va il est incroyable ce but. Il est incroyable. Ouais, c'est dommage qu'il est. On voit que la fin, mais il est incroyable. Mais oui, c'est incroyable. C'est le plus beau but. Oui. Et je vais rebondir sur Morgan. Il y en a plusieurs, mais le premier, il me reste marqué quand même contre Monaco. Ouais. Mais celui de Grasse, par exemple, il paye pas de mine. Enfin, il paye pas de mine. Si, justement, je le cite, mais je le trouve magnifique parce que la frappe est pure. Mais enfin, il y en a. Mais après, je pense que ça reste celui contre la victoire. C'était contre qui d'ailleurs? C'était contre notre seule victoire. Contre Villefranche. C'est celui-là qui te reste? Ouais, je pense. Hein. Parce que là, il y a un peu du David, là. Peut-être que tu avais vu le but de David avant. C'était un peu pareil. C'est les jumeaux, ils m'ont inspiré. Pas mal. Je m'en souviens des mots. C'est Christophe qui te fait la passe D. Exactement, c'est ça. C'est Christophe qui me dépose un ballon. Et après, c'est un contrat avec le défenseur. Et le petit piqué, je pense que c'est l'un de mes plus beaux buts. Mais celui de Monaco, il était chouette quand même, hein, ton tout premier. Hein. Avec Prunier. La Lulu, là, un beau enrôlé, là, c'était... Enrôlé, ouais. C'est vrai. Chouette. Premier but en CFA. Ouais. C'est vrai. Quand on est un joueur offensif, on a tendance à se remémorer tous ses buts où il y en a qui sont plus marquants que d'autres en fonction du contexte, quand on joue la montée ou quand on joue pour ne pas descendre, par exemple. Je ne sais pas, quand on est offensif, est-ce qu'on se souvient de tous ces buts? Moi, personnellement, ouais, moi j'aime bien les buts, du coup. Mais moi, c'est plus dans le contexte. Mm-hmm. Plus le contexte qui me fait rappeler mes buts. Comme je pense à celui à Lyon-la-Duchère, où on va jouer là-bas, où c'est très difficile, où le défenseur il glisse et je la mets au fond. Celui-ci, ce but, je m'en rappelle. Celui de Grasse aussi. Ouais, il est chouette, celui-là. On met le 2-0, ça nous enlève une épine. Contre Jura Sud. Jura Sud, oui. À la maison. Oh là là, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est plus ces buts-là. Dans un match de fou, ouais. Celui de Villefranche, il est beau, mais c'est un... On va dire que c'est le but du 3-0. Ouais, c'est le donc but. En quelque sorte, ouais. c'est un amusement, en quelque sorte. Mmh. Alors que celui de Jura Sud, c'est vraiment un but important. Ah oui, le 2-2. Et 3-2, je pense. Mmh. Personnellement, c'est plus le contexte que la beauté. D'accord. Mmh. Et toi, David, tu te souviens de tous tes buts? Pratiquement, ouais. Pratiquement. On essaie de les répéter. Ouais. C'est souvent les mêmes buts à peu près. Et du coup, on essaie de les répéter à l'entraînement et concrétiser un match. Hein. D'accord. D'ailleurs, vas-y, Manu. Parce que c'est un truc qui. Quand on regarde un peu ton parcours, depuis que tu es parti de Toulon, ben on se rend compte que tu as beaucoup joué. Donc ça veut dire que les entraîneurs, ils comptent sur toi. Mais tu as finalement un peu marqué. C'est un regret, t'es quand même content de ton parcours parce que tu joues, hein, la première année tu joues plus de 30 matchs, la deuxième, même cette année, hein, tu fais quand même 17 matchs. T'es blessé, mais voilà, t'es blessé, mais malgré tout, quand t'es pas blessé, ben tu joues. Donc, il y a ce côté, tu joues beaucoup, et le côté peut-être pas assez décisif, comment tu le perçois, toi, David? Après, c'est un autre niveau déjà. Après, c'est un autre niveau. Ah oui, ouais. Déjà. Ouais. Déjà, c'est un autre niveau. Et après, j'ai joué beaucoup au Gazélec. Beaucoup au Gazélec avec pas beaucoup de buts. Après, sincèrement, je suis pas. Ça me fait rien de marquer ou pas marquer. Moi, le plus important, c'est de prendre plaisir sur le terrain et de faire des bons matchs. Après, si ça arrive, ça, ben.
c'est que je vais marquer ou je vais décider. Je dis ça parce que, justement, encore une fois, hein, bon, on pourrait te le reprocher, entre guillemets, pas moi, mais je veux dire, on va dire le monde du foot, hein, qui est, et il regarde les stades de David, mais en même temps, tu joues beaucoup, donc ça veut dire que tu es important pour un entraîneur. Dans un effectif, ouais. Donc, oui, je veux dire ça, mais maintenant, les coachs, ce qu'ils veulent, c'est les stats. Les stats, hein, maintenant. On passe des buts. Après, tu as fait beaucoup marquer, je pense. Moi, pas vraiment. Hein, pas vraiment. J'ai plus marqué en pro que faire. Non. Je n'ai pas mis beaucoup de passes. Je dois être en pro, je dois être à 9 ou 10 buts. David, qu'est-ce qui fait que tu as quitté la Corse pour aller à Clermont? Pourquoi ce choix? Ben, la Corse, ben, on était descendu déjà. Ouais. Et puis le soleil de Clermont. Hein. la mer. Les couleurs de l'équipe de rugby jaune et bleu. La dernière année au Gazdec, on avait joué contre Clermont et c'est l'équipe qui m'a le plus épaté. En fait, Ah ouais. Quand je la voyais jouer, ben, je prenais du plaisir à la voir jouer. Et quand j'ai su que j'allais signer, enfin qu'ils étaient en contact avec moi, même si j'avais d'autres contacts, j'ai tout de suite dit je signe à Clermont. D'accord. Et toi, Morgane, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette arrivée au Paris FC? Déjà, moi, c'était assez particulier parce que c'était pendant le confinement. Donc, pendant le confinement, à la fin de. Au dernier match. Je parlais avec mon agent, parce qu'on avait joué, il me semble, c'était Laval, je crois, c'était les derniers matchs. Laval qui était intéressé. Donc, du coup, on était en discussion avec Laval parce que, au départ, on avait des contacts plan national. Enfin, le mercato, il n'avait pas trop commencé. Et quand ils ont annoncé la fin du championnat, mon agent est revenu vers moi en me disant qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés, dont en national, il y avait Boulogne et Laval. Et en Ligue 2, j'avais le Paris FC. Mmh. Et après, j'avais de la Ligue 1, j'avais Saint-Étienne et Lorient. Mais Saint-Étienne, c'était plus entre la réserve. C'était un contrat pro, mais plus entre la réserve et la Ligue 1. Et Lorient, c'était Ligue 1, mais avec au départ avec la réserve. Mmh. Bien sûr. Et ça ne m'intéressait pas trop. Donc, du coup, j'ai préféré aller en Ligue 2 parce que déjà, d'une, le discours du coach était différent. Non, mais j'allais t'en parler de Girard, d'ailleurs. Ouais. C'est un coach. Quand je l'ai eu, en fait, j'ai eu les trois coachs. Coach Puel, Pélissier et Girard. Même si le discours de Puel était bien, celui de Girard, il m'a permis de faire le choix beaucoup plus facilement. Ah ouais. T'as un rapport comme ça, David, avec ton coach actuel? Il a été important aussi dans son discours? Oui, il a été important, bien sûr. Bien sûr. C'était pareil. J'étais en vacances, moi. J'étais en vacances et j'ai eu le directeur sportif avant, Philippe Vaugeois. Et tout de suite, ils sont accrochés, ils m'ont dit les choses claires et j'ai dit fonce, hein. Et le coach, il m'a appelé pour me dire les choses aussi. Et direct, j'ai dit je fonce. La famille, elle, je suppose pour Morgane que oui, mais la famille, les conseils ou les avis de la famille sont prépondérants quand il faut prendre la décision d'une part de quitter la ville où on a grandi, où on s'est révélé au monde du football, pour en plus aller vers le monde professionnel. C'est important, Morgane? Oui, c'est important, forcément, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui est professionnel, donc qui connaît un peu ce milieu-là. J'ai un père aussi qui est dans le foot. Donc oui, c'est forcément important. Mais comme ils m'ont toujours dit, eux, ils me donnent leur avis. Et ensuite, c'est moi, je prends la décision. Exactement. Et toi, David? C'est une bonne chose. Hein. Ouais. Ils donnent, oui, mais c'est nous, les joueurs, les enfants qui choisissent ça, oui. D'accord.
Alors, pour revenir un petit peu au Sporting, vous avez suivi un peu le Sporting la saison passée, enfin, depuis votre départ? Oui. 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 Toujours. Ouais. Ouais. Toujours. J'ai mon frère jumeau et ouais. Il y a des joueurs avec qui je suis resté en contact. Donc, bien sûr. Et du coup, comment vous pouvez expliquer la catastrophe de l'année de national du Sporting? David, toi, si tu... Voilà, maintenant, vous avez tous les deux un regard extérieur, hein, vous êtes en dehors du club, même si, ouais, effectivement, toi, David, ouais, tu as ton frère, et je suppose que vous avez encore pas mal de copains qui sont au club, mais voilà, avec du recul, qu'est-ce qui pour vous, fait que le Sporting s'est planté en national? Mais sincèrement, c'est qu'ils ont mal démarré. Ils ont mal démarré. Et ensuite, la chance, hein. Franchement, ils n'ont pas eu de chance. Je regardais certains matchs quand je pouvais. Et sincèrement, il y a des matchs, ils n'ont pas eu de chance du tout. Après, voilà, hein. Je ne sais pas trop ce qui manquait parce que je n'étais pas dans le groupe. Voilà, ce n'est pas pareil après. Il n'y a que les joueurs qui peuvent savoir ce qui manquait, et le staff. D'accord. Et toi Morgan? Moi, je pense, moi, je l'ai vécu, donc bah oui. Je pense qu'au départ, sincèrement, au départ, je pensais que c'était plutôt bien parti parce qu'on avait commencé par des grosses équipes. Ouais, ouais. On était par Béziers, en plus. Mm-hmm. Béziers, le premier match. Ouais. Ensuite, on va au Red Star. Donc au départ, c'était des bons résultats parce que contre Béziers, on fait un gros match. Je pense que ce match-là, on doit le gagner. Au Red Star, on a la chance de revenir. C'est un bon match. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on est rentré trop dans une spirale négative au bout du sixième ou septième match nul. Du coup, les doutes se sont installés. Et dans le foot, quand on doute, surtout en national, dans un niveau où quasiment personne n'y a jamais joué, c'est difficile de sortir la tête de l'eau. Manu? Hein? Non, vas-y, non, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire s'il avait juste un petit, vite fait, un petit regret à titre personnel ou pas vraiment. Il a le sentiment d'avoir vécu son aventure nickel comme il faut, ou il a un petit regret à titre personnel, juste comme ça, pas plus que ça? Non, j'aime pas dire regret, mais sincèrement, c'est une grosse déception quand même. C'est une grosse déception. Après toute l'année qu'on a faite en CFA où ça a été difficile, ça n'a pas été facile de redescendre aussi rapidement. C'est vrai que c'est quand même assez frustrant. Donc du coup, ouais, je pense que c'est une très très grosse déception pour moi. Et peut-être que l'apport de David aurait été sympa. Vous avez pas joué ensemble, du coup, peut-être, hein? Je suis en train de voir. Et non. Non, parce que tu étais bien jeune. Hein, Quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis juste entraîné avec David. Ouais. On n'a jamais joué ensemble. Et pareil, aussi, une question. Qui c'est qui te fait revenir, David? Quand tu reviens, parce que tu étais parti. Hein. Qui me fait revenir à Toulon? Ouais. C'est le coach Momo Sadani. Voilà. C'est avec... voilà, c'est ça. Hein. Il ne voulait pas reprendre aussi ton frère aussi à l'époque, ou c'était que toi qui étais en pourparler? C'était un peu compliqué. Et ensuite, ça s'est fait 2 ans après, grâce à la fusion. Je l'avais dit en plus à mon frère, mais bon, ça s'est pas fait. Ah ouais, t'avais conseillé à ton frère de venir à ce moment-là, quand tu reviens, toi? Oui, je l'avais dit. Ah, ça aurait été sympa. Ouais. Ça aurait été sympa.
Non, non, vas-y, Manu. Non, j'allais simplement poser la question de savoir si, ce que chacun pensait de la dernière grosse actualité du Sporting avec l'arrivée de Gentilgana. Si vous avez suivi ça, si vous êtes si vous avez un avis par rapport à l'arrivée d'un ex international, tout simplement. Morgane. Non, oui, forcément j'ai suivi. Moi, sincèrement, je pense que c'est une très bonne chose. C'est quelqu'un qui connaît le milieu, c'est quelqu'un qui va pouvoir amener de bons joueurs, même si je sais que à Toulon il y en a déjà des très bons. Mais c'est toujours un plus, hein, avoir un nom dans un club, c'est important pour quand les joueurs s'adressent à un directeur sportif qui est issu du milieu, c'est largement mieux. Et toi, David ? Moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. En plus, j'ai vu qu'il disait qu'il voulait faire un centre et mettre beaucoup des joueurs de gens de chez nous. Quoi. Pour moi, sincèrement, à Toulon et les villes à côté, on n'a pas besoin d'aller chercher des jeunes, d'autres joueurs plus loin que ça. Chez nous, il y a un vivier, franchement, c'est pas parce que c'est chez nous. Et c'est impressionnant, les joueurs. Et j'aimerais bien que, y a beaucoup plus de jeunes qui sortent de Toulon, qui signent dans des centres, qui signent pro aussi. On aimerait bien. Justement, avec vos deux profils, Morgan qui signe pro à l'âge de 22 ans, toi un petit peu plus tard, David, finalement, on pourrait presque penser que vous n'avez pas, comment dire, un cursus classique de joueur professionnel où on fait du centre de formation et puis les choses s'enchaînent. Là, vous êtes passé ou repassé par le monde amateur avant de signer pro. Si vous aviez, je ne vais pas dire un conseil, mais en tout cas, si vous pouviez parler un petit peu de votre parcours, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes les embûches, vous parvenez à signer professionnel, finalement? Est-ce que c'est parce que c'est un gros mental, au-delà des capacités physiques, de la technique et du talent footballistique? Qu'est-ce qui fait que, quand on n'a pas un parcours... Ça joue aussi un peu, beaucoup au mental. Mm-hmm. Beaucoup au mental, et c'est ce qu'on veut depuis Mino, hein. Je suppose, Magal aussi, c'est ce qu'il a voulu depuis Mino. Et on veut tout faire pour parvenir à signer ce contrat pro. Les choses faites, mais le plus dur, c'est le deuxième. Hein. Et c'est de rester pro aussi, c'est ça? C'est le plus important. Après, maintenant, on y est, il faut aller plus haut maintenant. Il ne faut pas lâcher, continuer à travailler comme on a su le faire jusqu'à présent. Et pas lâcher, il faut être déterminé. Toi aussi, c'est cet ordre, Morgane, la détermination. Oui, je pense que c'est toujours au mental. Alors moi, je sais que personnellement, ça s'est joué au mental parce qu'à un moment donné, j'avais complètement lâché le foot. Mm-hmm. J'avais plus la tête à ça. Et je pense que c'est cette pause-là qui m'a vraiment mis sur le droit chemin et qui m'a montré la ligne de conduite à suivre. Et aujourd'hui, mentalement, j'ai appris. J'ai passé des saisons très difficiles. Je pense que c'est ça qui a fait ma réussite d'un côté. D'autant que t'as été de suite, je rebondis, t'as été de suite dans les petits papiers de Gérard. T'as accumulé le temps de jeu quand même, d'entrée. Oui, d'entrée. Après ça, en fait, j'ai fait une très très grosse préparation. Donc les coachs, ils ont été contents, ils m'ont dit directement. Donc le coach m'a fait confiance, il m'a laissé beaucoup de temps de jeu. Et on essaie de le rendre sur le terrain. Ouais, moi je sais pas où on en est au point de vue du timing. La question qui tue, évidemment, je voulais savoir la qualité que Morgan aimerait avoir de David et vice versa.
Si Morgan a eu qualité que Davida et qu'il pense ne pas avoir et qu'il aimerait avoir. Et pareil pour David. C'est compliqué. Et pareil pour David. C'est compliqué. Là. Elle a presque la même qualité. Ah, moi, j'aimerais bien avoir sa technique. Hein. Des crochets, tout ça. Moi, j'aimerais bien les avoir. Son coup de rein. C'est quelque chose que j'aimerais. Hein. Plusieurs fois, j'ai vu son jumeau les faire, mais jamais réussi. Hein. Pourtant, je me suis entraîné. C'est ça. Mais j'ai... Alors, parce que j'ai souvent entendu dire de la part des joueurs hein, que Christophe ça, était meilleur que David, mais j'ai souvent répondu à ces mêmes joueurs. Ouais, peut-être, mais j'ai jamais vu Christophe réaliser ce que David a pu faire, ne serait-ce qu'à l'entraînement et encore plus à match. Donc, mais souvent, il y a les joueurs qui disent que Christophe est meilleur que David. Ça, c'est un peu un positif sur lequel je ne suis pas trop d'accord, mais bon, peu importe. Moi, ils ont tous les deux leurs qualités. Les deux, ils ont chacun leur manière de faire, leur manière de dribbler. Techniquement, il est vraiment au-dessus, techniquement. Techniquement, ce qu'il propose, j'ai jamais vu faire les trucs que toi, tu faisais, pour le coup. Et je ne parle pas que de but de Arles, hein, mais même à l'entraînement. Hein, je me rappelle un entraînement à la ferme des Romarins. Bon, tu rendais fou tout le monde. Quoi, voilà, quoi. Moi, si je suis en face de toi, j'ai envie de te frapper à un moment donné. On n'aura pas à t'attraper. Quand on dit feu follet, ça prend tout son sens avec toi. Quoi. C'est vraiment. Tu pars à droite, il t'enroule à gauche, etc. La vitesse, là. C'est terrible, quoi. Mais donc, du coup, je rebondis. Est-ce que. David, toi une qualité que possède il a et que tu aimerais avoir sa finition devant le but et sa puissance. Sa puissance aussi. C'est puissant. Et son gabarit. Ouais. c'est combien 1m88, Guila, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. C'est un félin, hein. C'est un félin, ouais, Guila. Ouais. Quand il démarre, il va vite. Hein. Il va très très vite. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à droit devant le but. Hein, ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle hein, ce match en 19 hein, de DH, hein, où tu regardes le match, tu dis Guila, il a rien branlé. Il a rien branlé, mais il met deux buts. Hein, je crois que tu en avais mis deux. Tu n'avais pas marqué les trois, mais tu avais mis au moins deux. Et puis, bon, sur ta prestation, voilà, on l'avait pas trop vu, mais elle n'est pas trop vue, mais le peu de fois qu'on l'a vu, ben voilà, bim, c'est au fond. Quoi. Sif qui disait que bon voilà, quand tu étais dans l'équipe ou pas, quand tu étais dans l'équipe, c'était une autre équipe, quoi. C'était déjà quand tu pointais. Ce qui m'avait marqué cette fameuse année des 19, c'était ta prise de balle. J'avais toujours l'impression que tes jambes, elles s'allongeaient, tu sais, c'était Monsieur Fantastique, quoi. J'avais l'impression que le ballon était à 6 mètres et il tendait la jambe et récupérait. Il a des enjambées, c'est un guépard. C'est caractéristique, ça, de Guila. Ouais, impressionnant. Maintenant que vous êtes professionnel, messieurs, votre ambition, c'est quoi maintenant? Maintenant que le graal du professionnalisme est atteint, que votre objectif, ils sont pas dans la même configuration pour le coup. Aujourd'hui, bien évidemment, l'idée c'est de demeurer pro. Vous visez quoi, la Ligue 1, un bon maintien dans une structure de Ligue 2, c'est quoi? Oui, ce qu'on vit, c'est la Ligue 1, hein. C'est la Ligue 1. Tout ça. On veut toujours la Ligue 1. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a connu la Ligue 1, la Ligue 2, on a envie de savoir ce qu'il y a aussi. Je pense que la Ligue 1, ça attire tout le monde. Hein. C'est l'appétit qui vient en mangeant, c'est ça? Exactement. Oui, exactement. Justement, c'est pas facile. En parlant de Ligue 1, il y a des clubs qui vous feraient rêver? En Ligue 1, il y en a pas mal. Ouais. Et après, sincèrement, n'importe quelle équipe, on y joue. Ouais, parce qu'on veut. Moi, j'aurais plus de mal avec l'OM.
Ouais, mais écoute, hein, si tu devais y signer, écoute, ce serait bien pour toi. Ouais. Et puis voilà. Hein. Ouais, non, là, non, c'est pas... Je ferais pas le difficile pour aller en Ligue 1, ça c'est sûr. Ah, non, ben, mais non. Parce que, enfin voilà, je sais pas, il y a des clubs où, en fonction de son profil, de son caractère, il est plus ou moins facile de réussir. Je sais pas, il y a peut-être des clubs qui sont un petit peu plus, qui ont peut-être une politique un petit peu plus. Tourner vers les jeunes, vers la formation, tu vois, là où tu as des grosses équipes, des grosses écuries. Où ça compte aussi l'ambiance. Enfin, je pense, ouais. si par exemple, tu es demandé par Lens, tu vois, je prends l'esprit Lens et je vais prendre Bordeaux, ça compte un peu aussi le côté ambiance, le côté supporter, le côté. C'est ouais, ça. Vous le regardez un peu, ça? Un peu, hein, je ne dis pas. Oui, voilà, mais. Oui, c'est quand même. Moi, je suis à Bollard, c'est à moi. C'est... Voilà, Lens, c'est quelque chose, quoi. Franchement, c'est incroyable. L'ambiance qu'il y a là-bas, c'est. On ne s'entend pas parler. L'entraîneur, on n'entend même pas. Même nous, sur le terrain, on ne s'entend pas. Tu vois, on m'a dit ça. Hein. On m'a dit Bollard, c'est vraiment un beau stade avec une grosse ambiance. Ouais. Et encore, David, il le connaît, ça. Ouais. C'était en Ligue 2. Hein. En Ligue 1, c'est encore un peu plus, quoi. Ah, c'est dommage que t'es pas ça, Morgan. Là, je te le souhaite. Ouais, merci. Et donc, là, je vous posais la question en Ligue 1. Bon, globalement, vous signez en Ligue 1. Sans trop de préférence, si ce n'est que Morgan effectivement dit l'OM j'aurais du mal, et ça va faire plaisir à de nombreux supporters toulonnais. Et si c'était des clubs étrangers, est-ce qu'il y a des championnats qui vous attirent plus que d'autres? Ouais. Moi j'aime bien le championnat allemand, mm-hmm. et porté sur l'offensive, et forcément le championnat anglais. Et les stades de play. Hein. Ouais. Moi aussi. Et toi, David? Moi, le championnat espagnol. Ouais. La technique, tout ça, c'est un régal de voir jouer les clubs comme ça. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Ouais. Le catenaccio italien, ça vous tente pas? Ouais, c'est trop. Je regarde pas trop les matchs du italien. Ouais, c'est pareil. Sincèrement, hein. Il y a des belles équipes et tout, mais sincèrement, le. Bah, c'est pas le plus spectaculaire, c'est ça? Ouais. Donc pour Morgan, l'Angleterre et l'Allemagne, et pour David, plutôt l'Espagne et l'Allemagne en deux. L'Allemagne, oui. D'accord. Manu ? Non, ouais, pour. Je voulais demander à Morgan, le Paris FC, là, je les voyais même. Je dis là, ça y est, ils sont en Ligue 1, on va avoir deux paris à l'année prochaine. Et un peu effondré, là, c'est quoi, blessure ? Qu'est-ce qui s'est un peu passé ? Il y a eu un peu de tout en fait, c'est qu'on a commencé très très fort, ouais. Donc, du coup on a commencé, on était à une place où personne ne nous attendait, du coup on a profité de cette spirale positive pour grappiller le plus de points. Après, bon, dans une saison ça va vite entre les blessures, les cartons, tout ça. À un moment donné on est rentré dans une phase de doute un peu comme toutes les équipes, sauf que nous notre doute il a duré un peu plus longtemps et malheureusement. Ouais. Mais bon, là, c'est en train de bien repartir. Ouais, ça, là, ça, ouais, ça repart un peu. Ouais, là, ça repart bien. Donc, du coup, la fin de championnat, elle s'annonce un peu. Non, dis là, à Paris, tu montes en Ligue 1 avec Paris, c'est bonheur, ça. Ah, franchement, ouais. Ça serait bon, ça. Ça serait quelque chose, ouais. Enfin, sincèrement, ouais. Ça serait un bon projet, ouais. Ah, ouais. Et David, en Ligue 1 avec Clermont, puisque vous êtes classé deuxième, c'est bien ça? Ouais, David, il est vraiment pas loin. Hein. Ouais. Non, on est deuxième, hein. Il reste 10 matchs, 10 finales. Ouais. On va tout faire pour les remporter, hein. Ça va pas être facile. En plus de ça, on a le Paris FC en plus. Contre pas longtemps. Et franchement. On verra bien. Du coup, dans ce match-là, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Quoi. Bon, ouais. Gila, on en est sûr, et toi, peut-être, tu ne sauras pas. Si
Si, non. Je me blesse à vie. Voilà. Non, mais pour, sur ta main, ça non, va aller. Bon, ça y est. Ah, c'est bon, j'ai repris. Ah non, ouais. Oui. Non, voilà. Avant de finir, justement, par rapport aux supporters toulonnais, si vous aviez un message à leur faire passer, Morgane. Ouais. Bah déjà, je tiens à leur passer un bonjour. Voilà, je leur souhaite beaucoup de courage parce que ça ne doit pas être facile de. Nous, on déguste. Son équipe jouer. Ouais, bah, je vois déjà avec mes amis que j'ai gardé du Sporting. C'est pas une saison facile, surtout après une descente. C'est assez frustrant, je dirais. Mais là. Bon, ça va aller. Hein. Là, le Sporting est bien classé en espérant qu'ils reprennent bientôt. Et pourquoi pas une reprise, mais bon. Là, j'ai vu qu'ils avaient reporté encore là le. Ouais, ouais. On avait repris et puis finalement, on nous restop. Bon, c'est dur. Non, ça doit pas être. Ouais, c'est ça. Ça doit pas être facile, mais bon. Ouais. Faut s'accrocher, hein. C'est comme ça le foot, hein. Mais ouais. Bon, ça va aller en tout cas. Un gros bonjour et je leur souhaite bon courage. Merci. Et toi, David, si tu avais un message à faire passer aux supporters? Bah, déjà, je leur fais leur dis un bonjour. Et avec ces derniers mois compliqués, déjà, je leur dis force, parce que c'est pas facile. Pas facile, je leur dis courage et j'espère que d'ici là, on aura droit aux. Déjà, en plus, on a arrêté le championnat. Ouais. C'est compliqué et j'ai vu encore que c'est reporté. Franchement, c'est vraiment parti. Vite fait, comment c'est là pour les joueurs, ton frère, comment c'est chaud hein, de ne pas jouer comme ça. Ah oui, bon, il s'entraîne, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué. Moi, je serais à leur place, sincèrement. Sincèrement, je ne sais pas. Ah, c'est dur. Hein. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et même vous jouez, mais sans le public, pareil. Hein, c'est toute une ambiance bizarre, quand même. C'est chiant, c'est une ambiance bizarre. C'est pas pareil. Supporter, qui a une motivation en plus. Et là, c'est compliqué. Pas pareil. Manu, tu as une dernière question? Non, je voulais conclure juste pour savoir qu'est-ce qu'il fallait vous souhaiter. Pour finir cette année et l'année prochaine. Cette année et l'année prochaine pour que vous soyez, on va dire, comblé. Bah déjà, je pense que le principal serait déjà une bonne santé, que ce virus il dégage un peu et qu'il nous laisse retrouver les terrains avec nos familles, nos supporters et tout ce qui va avec. Et sur un plan sportif? Pour toi Du temps de jeu et plein de buts. Et pourquoi pas une montée en Ligue 1 Et toi, David, ça serait vraiment, vraiment cool. Ouais. Je te le souhaite, mon frérot. Merci. Toi, David, qu'est-ce que... Pour le plan sportif, bien évidemment. Hello. On va monter en Ligue 1 cette année. Hein, même si... Hello. Ouais. Ça va être compliqué, comme j'ai dit tout à l'heure. Et après... Si tu montes, il faut que tu restes, non? Que tu sois... Il faut. Ça va être du projet, stats, quoi. C'est un peu de stats ces 10 derniers matchs aussi. Et après, voilà. Hein. Ah, ça serait bien, ça serait cool hein, de voir un Toulonnais en Ligue 1 former au club. C'est super, ouais. Ça serait cool. Ouais, je te le souhaite. J'ai confiance en eux. Je veux qu'à la fin de la saison prochaine, maximum, mais si c'est à la fin de celle-là, mais maximum à la fin de la saison prochaine, il y en a au moins un de vous deux qui sont en Ligue 1. Et si ça commence dès la fin de cette saison pour David, c'est bonheur. Et puis voilà, et que Morgane le rôle. Ils avaient commencé en plus. Ouais, mais c'est pour ça. Ils peuvent appuyer. Ça va vite, hein. Il y a un gros projet quand même à Paris. Hein. Il y a le Bahreïn derrière et tout. C'est un club, c'est pas mal. C'est un club, je pense, qu'il faudra compter là, dans les quelques années. Là, et j'espère qu'avec Gérard et Guy là, ça va le faire. Ouais, oui, ouais, j'espère. La double G. Les double G. La 2G. C'est ça. Écoutez, messieurs, merci beaucoup.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci les amis. Merci Morgan, David. Vraiment merci. C'était un honneur que 2000 Toulonnais. Un plaisir. Voilà. Participe à l'émission, devenu professionnel. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, plaisir, merci à vous. Un gros merci pour la suite de la saison et de votre carrière. Et puis, je suis sûr et certain qu'on sera amené à se recroiser de nouveau dans des tribunes ou autour des stades. Avec plaisir. À très bientôt. Merci les gars. À bientôt. Ciao.